bonjour à tous, c'est Maïté. Bon, qu'est-ce que nous allons faire comme repas? Oh bah non, merde. Ah oui, c'est vrai, je suis sur la moto du Breton pour annoncer les jingles. Parce que moi là je rentre, j'allais faire des petites fricassées au poulet avec de la chipanara, la chicanara. Bon, enfin bref, parce que moi j'aime bien cuisiner. Ok, donc nous allons annoncer l'intro. Non, pas l'intro, je me trompe. Le jingles. Ah, le jingles, moi j'allais me faire des fricassées. Ouais, moi je roule au calme, tranquille. Que veux-tu de mieux? Hein? Je fais mon gros touriste. Ah, j'ai pas envie d'aller vite, c'est tout. Un petit 60 à l'heure, dans la campagne. Hein? Que veux-tu de mieux? Je vais pas non plus te péter un 150. Hein. Alors, moi j'essaye de me trouver un coin pour me reposer, pour être au calme. J'ai fait déjà pas mal de kilomètres. Et j'ai envie de faire une pause, hein. Je sais pas où je suis rendu là, mais je crois que je suis perdu dans le trou du cul du monde. Bon, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans ce vlog. Je sais pas du tout. Mais on va voir. Hein? Celui-là, je le commence simplement. Ouais, je suis toujours tranquille, à l'aise. Hein. Je vais pas trop vite. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de rouler vite. Hein? Même s'il y a une 50 qui arrive à me doubler, je m'en fous. Ok? Bon, on fera avec. Moi j'ai envie de faire le touriste. En plus, je connais pas le coin. Hein? Donc, laissez-moi un peu tranquille. Hein? Oh! Ouais, je suis qu'à 70 et puis quoi, hein? Normalement, je devrais être à 90. Voire plus, non, pas plus quand même. Restons raisonnables. Tiens, j'ai envie de faire quelque chose. Je ne vous dis pas. Je vais rien vous dire. Je vais aller voir s'il y a moyen. Hein? Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va... Eh ben, vous allez voir. Oui, voilà, c'est ça, en fait. J'ai envie d'aller au bord de ce château d'eau. Ah oui, d'accord, il y a des gens qui habitent à côté. Ah ouais. Putain, ça me ferait chier d'avoir la maison qui est devant un château d'eau. Ouais. Bon. Je pensais m'arrêter un peu là, tranquille. Je peux pas rester là. Hein. Je suis pas invité chez eux, donc... toi, t'aimerais, toi, que... on se ramène chez toi comme ça, tac, on s'arrête à côté de chez toi, tout tranquille. Limite à attendre que le temps passe ou te reposer tranquille, hein. Tu imagines, tu vois un gars comme ça. Tu vas dire, mais il sort d'où lui? Il sort d'où? Bon, moi c'est pour ça, je vais pas rester là. Oh, il y a plein de maisons là-bas en plus. Hein, je fais peut-être le tourisme, mais pas, hein, quand même. Il y a des limites, hein, quand même, hein. Hein, même des limites. Attention, on se prépare. Oh putain, merde. Ça m'énerve. J'arrive plus. En plus, j'ai le plein dans mon réservoir.
Alors qui dit que t'as le pain dans le réservoir, qui dit quoi? Ben ça pèse plus lourd, hein. Logique. Quand j'ai réussi à bien la lever, c'est, elle était rendue à la moitié. Donc là je ne peux pas. Je peux pas du tout la lever, hein. Faut que je mette plus les gaz. Mais j'ai peur de me retrouver sur le cul, tu vois. J'ai trop peur de me retrouver sur le cul. Et j'ai pas envie de voir ma moto défoncée. Parce que sinon, bah sinon vous avez plus de vidéos pendant X temps. Ah oui, voilà. Ça serait con, hein, non? Ouais, je me mets peut-être en danger, mais bon, merde. J'ai pas envie de mettre les gaz. Je vais faire comme à ma jeunesse, en mobilette. Et ouais, t'es... Bon, attention, ça arrive par derrière. Un camping-car. Camping-cariste. Eh ouais, c'est le vlog spécial touriste. Putain, ils vont se demander, putain, c'est une moto, il avance à rien. La cam doublée, s'il est pas content, fait chier. Tu vois, en plus, je me cale un peu au bord. Ah, je suis encore gentil, hein. Ah. Je suis bridé. Excusez-moi, les amis touristes du camping-car. Allez, vas-y, c'est un espoir, tu doubles une moto. Oh, je suis le touriste. Me payer la honte pendant ce temps-là, mais bon. Je m'en fous. Je m'en branle complètement, tu vois. Oh putain, je me fais chier à rouler à cette vitesse-là. Je me fais chier à un point. Il y a une voiture encore derrière en plus. Eh ben, il faudrait pas que dans la voiture c'est un motard, parce qu'il va dire, putain, c'est une Z750, il avance à rien avec. Il va dire, mais quel blaireau celui-là. Eh ben, c'est pas comme ça, je vais avoir un accident aussi, hein. Ah ouais, ouais. On dit la limitation à 80 km/h, ben, déjà je me fais bien chier à un point. Et putain, je sais pas quand je vais mettre les gaz, on verra. Là, pour l'instant, j'ai pas envie. Je me fais chier et j'ai pas envie. En plus, c'est vraiment hallucinant. Il tente pas de doubler, rien. Ça, je m'en fous, c'est limite à 70, ça. 70, voilà. Hop. Là, on va vraiment me croire que c'est une vraie moto. C'est limite à 70, je suis à 70. Je suis posé, je suis tranquille. Là, je me paye pas la honte. Et quand c'est à 90 et que je suis à 70, oui, là, c'est la honte. Ouh là là. Je pourrais peut-être me poser par là, je vais aller voir par là. Écoute, je suis touriste. Tant qu'à faire. Ouais, je pensais me poser là, merde. Bon. Sans issue. Ah, je crois que j'ai trouvé mon coin. Oh, peut-être, je sais pas. Ouais, j'ai encore à tirer dans des cul-de-sac. Ou ici, je vais me poser ici. Ouais. Il y a un buisson pour faire pipi, tout, tranquille. Mais c'est le bonheur. Même je pourrais me cacher dans le conteneur, tranquille. Tu vois? Le mec qui avait envie de faire caca, ben il va dedans, quoi. Il va dans le conteneur, évidemment. Après, il y a un gars par derrière, il va s'amuser à fermer les portes. Et tu vas rester dedans, comme un con. Et tu vas partir en bateau. Tu vas te retrouver en Chine après. Avec le conteneur. T'imagines le truc. Bon, et aussi, avant, j'étais faire pipi à côté des genêts. Bah, les buissons, pour ceux qui savent pas c'est quoi des genêts. Dans le buisson, et j'ai fait une grande découverte. Une découverte que sûrement c'est la cachette des alcooliques.
C'est la cachette des alcooliques. On va aller voir ça, vous allez voir. Regardez-moi ça. Tout ce qu'il y a ici. Alors il y a des canettes de bière, il y a des boucles de bière, il y a même un paquet de choco. Et puis ici, j'ai découvert ça. Regardez ça, celui qui a mis ça là, il est super lui. Voilà. Franchement, c'est super intelligent. Hein. C'est la cachette des alcooliques. Tu vois, tous les vendredis, samedi, ils viennent ici, puis ils mettent ça là, hop, tout ça dans le tas. Ils continuent comme ça d'ici un an, ça va être quoi d'ici un an? Hein? Ça va être quoi? Ça va être de la montagne d'ordures ici. Franchement, super quoi. Merci les mecs, hein. Franchement, c'est pas dur de mettre ça dans une poubelle quoi. Et franchement, mais quel respect quoi. Il y a des canettes, un paquet de choco, j'ai même retrouvé un emballage de préservatif. Ouais, ils ont dû faire des choses là-dedans, là, parmi le genêt. Super sympa. Hein. Papy qui promène son petit chien. Chien, chien, chien. Ruff, ruff, ruff. Ruff, ruff. Il doit être méchant. Ce chien, il doit être méchant. Je sais pas, mais je le sens. Allez, allez, double. Allez. C'est la journée de la gentillesse. Sur son bras. Je sais pas, il a dû me faire un signe. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. J'aurais vraiment la honte. Et putain, j'aurais vraiment la honte, c'est qu'il y aurait un motard derrière moi. Ah, mais t'imagines la honte? Le mec il va dire, oh c'est une Z650, c'est limité à 70. Qu'est-ce qu'il fout lui à 60? En plus il se filme le mec. Ouais bah oui, hein, écoute, que veux-tu que je te dis? Je vais passer par là. Bon, rupteur ou pas? Rupteur. Et non, j'ai pas envie. Oui, je sais, juste. Vous allez dire, je suis con. Putain, mais arrête avec ton klaxon. Oh, mais c'est comme ça. Quelques temps de rond-point. Hein, se faire plaisir un peu. Hein. Oh là là, je vais essayer là, de mettre le genou. Je vais essayer. Oh putain, non, non. Non, 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 c'est de la merde. Vraiment, c'était de la merde. Nul, nul. Nul à chier. Bordel. J'ai jamais réussi à frotter ça. Oui, les sliders, là. J'ai jamais réussi. C'est impossible. Et oui, je m'énerve. Parce que ça me rend dingue. Faut bien qu'il serve quelque chose, les sliders. Allez, sliders, les sliders. Après, je m'en fous si ça se prononce pas comme ça. Et merde alors. Mais stylé la voiture sans permis, hein. Elle ressemble à la Mini. Après, bah, t'as plusieurs voitures sans permis qui font... Il peut faire en camion Ben. J'ai vu en décapotable aussi, un coup. T'imagines le truc, en décapotable. Qu'est-ce que ça doit être stylé. Avec la musique à fond. Tu mets du bon rap là-dedans. Et vas-y, fais péter ta sono, quoi. Bah ouais hein. Oui, ils la font un peu de tout, hein. Camion Ben, un petit camion. Je sais pas qu'est-ce que tu peux mettre dedans, mais bon, limite tu as un cajou à légumes. Ton truc il est rempli, quoi. Oh le carton, oh là là, hyper dangereux ça. Sérieux. Ça c'est encore.
C'est encore quelqu'un qui a voulu mettre ça à la déchetterie et dans la petite remorque avec avec ses débris de bronchailles de haies. Tu vois, il y en a, ils coupent la haie, ils foutent ça dans la petite charrette. Après, ils ont des petits cartons, des machins, ça, ils mettent ça dans la remorque, c'est même pas attaché, rien, hop, ils mettent ça dans la remorque, ils foutent le camp. Ils partent direction la déchetterie, et en fin de compte, t'as plein de trucs qui volent, t'as les bouts de carton qui s'envolent, t'as les bronchailles qui foutent le camp, et t'en as plein sur la route. J'ai déjà eu le coup là, j'ai déjà vu ça. Hein. Mais franchement, mais prends tes précautions quoi, mets une bâche ou sangle tout ça. Comme ça, t'es sûr que ça partira pas. C'est pas tout de mettre ça en vrac dans une remorque et puis en route hein, à 90, et hop, c'est parti. Faut penser que ça vole aussi. Hein. Parce que tout à l'heure, j'ai pris une route à droite, j'ai fait 1 km, et où est-ce que j'arrive? Chez quelqu'un. Tu vois, j'étais obligé de faire un demi-tour en plein dans la cour. C'est con que j'ai pas filmé à ce moment-là. Parce que je pense que vous serez vraiment, vraiment à rigoler. Ça serait la rigolade assurée. Je me suis payé la honte. Il y avait la petite vieille qui sort de sa maison. Elle se demandait, mais c'est qui lui en moto? Qu'est-ce qu'il me veut? Waouh, la dame. Et moi je suis retourné comme un sangouin. Et j'ai voulu faire en sorte que je pose pas le pied par terre. Et putain, j'ai failli me casser la gueule tout. J'étais pas par pas. Après ça passait pas, j'étais obligé de pousser ma moto en marche arrière. Et j'ai foutu le camp le plus vite possible. Parce que la grand-mère est commencé à se ramener vers moi. Oh les boules. Oh les boules. Ah c'est con que j'ai pas filmé. Ah ça aurait été énorme. Ah putain là je m'en veux. Ah putain. Bon, est-ce que je vais retourner ma route? Ah toutes ces priorités à droite, putain, ça me troue le cul. J'en peux plus. Tout en tournant la tête. C'est bon, il n'y a personne, allez on y va. Hein? Qu'est-ce qu'on reste là? Hein? Ouais, je parle comme une grand-mère. Je parle comme une grand-mère. Comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fout dans la cour? Et c'est un moutard. Je vais aller le voir. Qu'est-ce qu'il fout là? Et puis moi, j'étais comme une merde à essayer de dégager le plus vite possible de la cour. Je pensais à retrouver une autre route. J'arrive, il y avait un virage, et là j'arrive directement dans une cour de maison, putain. Bah ouais, mais la route était pas si large que ça. J'étais obligé de tourner dans la cour. Et vu que j'ai mal tourné, j'étais comme une merde à descendre de la moto, à pousser dessus. Tu voyais la grand-mère qui s'est ramenée. Oh le délire. Oh c'est con, j'ai pas filmé à ce moment-là, putain, nom de Dieu. Vous aurez rigolé, rigolé. Après j'ai rien fait de mal, hein. J'ai juste fait demi-tour dans sa cour, hein. J'ai pas fait un burn non plus dans la cour, hein. T'imagines? Tu fais un burn, la grand-mère arrive, et tu te casses à fond. Elle serait perdue dans la fumée de burn. Oh, je vois plus rien. Il y a des promeneurs du dimanche. Même mon clignotant. Il sourit. Il rigole. Monsieur rigole. Oh, gendarmerie. Les copains. Tranquille. J'ai fait un petit arrêt. Et il y a des pompes à essence. Je sais pas du tout si c'est vraiment de l'essence ou quoi. Si tu vois, s'il y a du sans-plomb 95, du gazole, j'ai pas été voir. On va aller voir ça ensemble. Bon allez, je tente sans le pied là. Oh, ça va être chaud, il y a des trottoirs. Sans le pied, c'est parti. Et le regard loin, et on y va, on braque. On braque. J'ai failli mettre le pied. C'est passé tranquille. Si j'aurais fait ça chez la grand-mère, je serais parti plus vite. C'est bizarre là. Ah, c'est pour les camions diesel. Ah oui, d'accord. C'est un truc spécialement pour les camions. Ah oui, d'accord. Hein. Les amis, c'est déjà la fin. Oh là là, mais on se retrouve la prochaine fois.
Hein? Allez, moi, il est grand temps que je rentre. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. On se retrouve très vite. Allez, ciao les amis. Et en plus, hein, on est dimanche, alors écoutez, hein, y a plein de gens qui se promènent, et ben moi aussi je me promène, mais en mode touriste. Et télé. Alors, où je vais y aller? Oui, je vais où? Me v'là perdu, turlututu. Ouais, bon, on va aller là, il n'y a aucun panneau, putain, ils font chier quoi. Hein? Ouais, bah si j'ai bloqué le guidon, on va pas aller loin. Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh! Bah. Là, j'ai un problème. Le guidon qui est bloqué. Putain, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, putain, j'ai eu peur. Oh putain, vache. Allez, c'est reparti. Pas envie de changer de vitesse, excusez-moi. Je fais un peu de bruit. Excusez-moi. C'est moi qui passe. Après, vous serez au calme. Pourquoi il rigole sur son vélo? Je sais pas, je trouve ça bizarre. Même non plus, attends. Il sourit. Il rigole. Monsieur rigole.